On va leur demander en argot. Guten Tag. Vas-y, on t'écoute. Partung. Ouais. Et après, ist die Bidi. Ah, les cheveux de niche. On y va? Je vous raconte. Ouais. Et... Introduit. Ouais. Oh, et toi? Et toi? Nous, introduit. Bon, à l'origine, ici, c'était la caserne des pompiers. Et donc, ce musée est reconnu en Angleterre comme le plus beau petit musée de la vallée de la Nice. Das schönste Museum des Vallées de la Nice, ça c'est le plus beau. Le plus beau. Le plus beau. Le plus beau petit. Le plus beau petit. Voilà. Joseph Suvelac, Souvelac, est venu prendre des photos d'Erquinghem le 12 septembre 1915, en avion, avec son photographe qui était derrière. Donc ils ont pris des photos. Le lendemain, ils sont revenus. Wissen nicht, wissen ja viele schon, aber wir erzählen es trotzdem nochmal. Am 12. September 2015 ist Joseph Suvelac aus Billerbeck kommend hier über Erquinghem geflogen, um Fotos zu machen. Er hatte seinen Fotografen dabei im Flugzeug und die wollten Fotos machen. Ich höre den Knie. Merci bien. Bonsoir, un temps meilleur. Aujourd'hui, le départ venait au collège pour 8h20, comme d'habitude. Le départ est prévu à 8h30. Nous avons visite des carrières diplômées. Ensuite, cabinet carbonné, enfin plein de vie avant de passer à la famille. Et on termine par vers visite. Wir fahren dann kurze Zeit später einfach zusammen los. Ouais. Ça, t'as été un peu vite. Tu veux que je fasse un petit nœud? On fait semblant. Allez. Voilà, c'est bon. Parfait. C'est bon. En fait, c'est toi qui es plutôt lent. Tes souvenirs. Tu me comprends? Tu comprends le français? Donc, les projets sont réalisés par le CME au nom de la ville pour ses habitants. Il y a une réunion de travail une fois par mois et deux séances
plénière par an. Das Conseil municipal des enfants ist eine Gruppe von 28 Schülern. Ihr könnt es auch ein bisschen mitlesen. Aus den Jahrgängen, wo wir heute waren, in der Grundschule, waren wir der CMA und eins drüber ist die CM2. Heißt also wirklich noch relativ kleine Kinder, die von ihren Klassenkameraden gewählt werden. Es gibt vier Arbeitsgruppen. Das erste ist Schule, Kultur und Hobbys. Das zweite ist Umwelt und Cadre de Vie. Fällt mir gerade keine Übersetzung für ein. Das dritte ist Sport, Gesundheit und Vorbeugung, also was man irgendwie tun kann, um irgendwelchen Dingen vorzubeugen. L'ensemble des élus ici présents par l'intermédiaire effectivement des enseignements qu'on ira voir, l'ensemble du corps enseignant, les parents d'élèves, et bien entendu vous, chers collégiens, puisque alors, vous êtes pour certains effectivement de Jean Rostorm pour les Français, et puis bien entendu saluer nos amis allemands, les collégiens allemands qui nous font le plaisir d'être chez nous aujourd'hui dans le cadre du jumelage. Das ist einer der Mitunterstützer und Mitfinanzierer von den Spielgeräten, die wir da jetzt gerade gesehen haben. Und der begrüßt uns alle auch besonders und natürlich auch ganz besonders euch, ja. Deutsche Freunde aus Billerbeck. C'est une très bonne chose que de développer justement cette approche de la chose publique. La res publica, la chose publique, en latin, la res publica. Et on vous apprend à travers ce genre de travaux, c'est-à-dire ce genre de gestion, de projet, on vous apprend à toucher concrètement ce que c'est que l'exercice des responsabilités, l'exercice. Die jedes Jahr eine Ausstellung organisieren. Dieses Jahr ist das Thema Jahr 1906. Wir freuen uns sehr, die Schulen von Winnebeck zu willkommen. Diese Ausstellung ist für den 11. November eröffnet worden und auch hergestellt worden, Ende des Ersten Weltkrieges. Und da der Jahrestag jetzt wieder war, hat diese Ausstellung gemacht. Et Monsieur Cassé et ses collègues du Collège Jean Rostand d'avoir, il est là, il se cache derrière, l'organisateur de cette étude, on va dire de échange de travail entre les deux villes que nous avons, Erkenheim et Billerbeck. Ja, alles ist total glücklich, dass das endlich geklappt hat im Austausch. Besonderer Dank an Monsieur Lehnen, den Schulleiter aus der Schule von Armentières, genauso wie an Monsieur Cassé und Madame Edu. Je tiens aussi à remercier toute mon équipe, l'équipe des élus d'Erkenheim qui ont travaillé pour vous accueillir aujourd'hui, participer aussi sur les voyages que vous allez faire lundi. Ja, vielen Dank an alle, die